Ça n'existe pas chez nous.
الإسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه نيقولوا إبال ما جاء والما إبال ما مصر أفوائي آجاء والما مصر لمين هذه إسلام الجنماء إذا كسرت إبال والما إذا كسرت مصيبة لمين لدبلة لدبلة أمدنا أسير Solution of the motive. Solution of the motive. So, I don't want to have come out.
Et le but du Christ est de lever de l'âme, de former les mœurs,
et renforce les lieux d'assistance contre les musulmans. La prière en congrégation, si vous voulez en groupe, dans la mosquée, fait office des réunions quotidiennes des musulmans. C'est même une forte manifestation de l'unité de leurs paroles et de leurs objectifs, et démontre leur collaboration dans le bien et la pureté. Mais aussi, le message social et spirituel provenant de la mosquée est d'une grande importance dans la vie des musulmans, car c'est elle qui unit leurs rangs, affine leur âme, réveille leur cœur et leur esprit, pour ainsi dire leur conscience, qu'elle soit individuelle ou collective, résout leurs problèmes et montre leur force et leur cohésion. Élever chaque fois et sœurs aujourd'hui des enfants d'une manière islamique dans une société comme la nôtre, de plus en plus égoïste et individualiste, à forte pression de transformation, sans aucune barrière morale et éthique, nécessite que tout le monde s'investisse et fasse les efforts nécessaires. Nous devons tous, sans exception, apporter notre aide. Chacun de nous a un rôle important à jouer. Plus les gens sont impliqués et forts dans leur rôle, plus ils sont complémentaires les uns des autres, et meilleur sera le processus d'éducation. En vérité, notre religion insiste sur la vie en communauté et rejette toute forme d'égoïsme et d'individualisme. C'est pourquoi en islam, une prière obligatoire accomplie en groupe est supérieure de 27 degrés à celle accomplie d'une façon individuelle. Le rôle de la communauté musulmane est d'une importance capitale dans la bonne éducation de l'individu et la promotion des bonnes mœurs dans la société. Pour cela, elle doit redonner vie à nos mosquées qui devraient faire partie de ses priorités. Elle doit faire ressortir l'importance des mosquées dans l'islam, car c'est là où l'homme pratique des actes d'adoration qui purifient nos âmes, améliore notre morale et rapproche les musulmans entre eux. La pratique des prières quotidiennes, les prières des fêtes, celles faites sur les morts, le coup du sermon chaque vendredi, la célébration des mariages sont autant d'actes d'adoration qui renforcent le rôle social et spirituel des mosquées dans la vie des musulmans. L'histoire a prouvé que c'est en partant des mosquées que la lumière et la foi musulmane se sont propagées. C'est dans les mosquées que les graines de la civilisation islamique ont poussé. Raison pour laquelle la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait en arrivant dans une ville était la construction d'une mosquée. Et a encouragé les musulmans à en faire autant en disant, je cite, « Celui qui construit une mosquée pour Allah, en contrepartie, Allah construira pour lui une demeure au paradis. » Fin de citation. Chers frères et sœurs, la mosquée a une grande place à l'islam et devrait avoir la même place dans la vie des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les califes, bien guidés, qu'Allah les agrège, avaient pour quartier général la mosquée. Le message de la mosquée a de nombreux objectifs et domaines d'action. Certes, c'est un endroit pour adorer Allah, mais c'était une université et une école pour apprendre, un centre pour la prédication. Elle était aussi la source d'orientation spirituelle et matérielle. Malheureusement, c'est l'inverse qui se produit aujourd'hui. Un grand nombre de nos mosquées restent vides, mortes même. Elles n'occupent pas une place d'honneur dans notre vie. On y trouve à peine un rang de priant par salat obligatoire. La mosquée, chers frères et sœurs, doit redevenir l'école des hommes et des héros, le réparateur du mal et de perversité pour la construction d'une communauté musulmane forte, ayant pour base la crainte d'Allah et son agrément comme finalité. Et pour que cela soit, nous devons prendre en compte un certain nombre de facteurs, dont les plus importants sont entre autres soutenir les mosquées pour qu'elles puissent s'améliorer et offrir tous les services et programmes nécessaires. Il convient de les soutenir financièrement pour couvrir toutes les dépenses
de leurs activités. Chaque programme entraîne des frais qui doivent être couverts par la communauté. Cette communauté doit soutenir et s'investir d'une manière exemplaire dans toutes les activités de la mosquée en prenant en charge les factures mensuelles. Il y a aussi soutenir la mosquée, chers frères et sœurs, exige également des efforts dans les emplois du temps de chacun. Lorsque vous allez à la mosquée, par exemple, prenez vos enfants avec vous, apprenez-les à participer aux travaux volontaires de la mosquée. C'est un facteur important dans l'accroissement de leur socialisation. Cela leur apprend à travailler en groupe et leur montre que le travail d'équipe est meilleur que l'égoïsme et l'individualisme. Soutenir les mosquées, c'est fait aussi par la participation effective dans les programmes et activités destinés à la famille. Il est indispensable que vous consacriez une partie de votre temps quotidien ou hebdomadaire à ces activités et programmes. Cette participation vous aidera à venir régulièrement et sera donc bénéfique pour vous et votre famille. N'oubliez pas que vos enfants ont besoin d'éducation sociale, ce qui ne sera atteint que par la fréquentation de la communauté musulmane. Vous ne pouvez pas accomplir cela tout seul. Le professeur nous a ordonné de rester ensemble en communauté et nous a mis en garde contre la solitude. Chers frères et sœurs, soutenir les mosquées se fait aussi en mettant d'autres membres de la communauté musulmane au courant des activités que la mosquée organise et les encourager à y participer. Car là, nous assistons et qu'il ne pas face de nous des véritables musulmans. اللهم اغفر لنا بحلالك الحرام واغننا بفضلك عن اثمان سواك اللهم زهدنا في الدنيا ووسر علينا فيها ولا تهجرها عنا فترغبنا فيها اللهم حسبنا على هوى على راي وهو يظن انه على الحق وليس هو على الحق فردها الى الحق حتى لا يزيد به من هذه الامه احد اللهم لا تشغل قلوبنا بما تكفلت لنا تكفلت به لنا ولا تجعلنا في رزقك هولا بغول من غيرك ولا تمنعنا خير ما عندك بشر ما عندنا ولا ترانا حيث تهينا تنهانا ولا تفقدنا من حيث امرتنا اعزنا ولا تزلنا اعزنا بالطاعه ولا تزلنا بالمعصيه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحكم علينا سنه ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فصلنا على القلب الكريم صلى الله عليه وسلم.